sono bruciato come un tizzo. Ma non avrai sofferto molto. Era peggio la pena, la passione di prima. E adesso ascolta, Meleagro. Tu sei morto, la fiamma, l'arsione, sono cose passate. Tu sei meno del fumo che si è staccato da quel fuoco. Sei quasi il nulla, rassegnati. Bisogna aver visto i suoi occhi, bisogna averli visti dall'infanzia e saputi familiari. E sentiti fissi su ogni tuo passo e gesto, per giorni, per anni. E sapere che invecchiano, che muoiono. E soffrirci, farsene pena, temere di offenderli, allora sì. È inaccettabile che fissino il fuoco vedendo il tizzone. Sai anche questo e ti stupisci, Meleagro, ma che invecchino e muoiono vuol dire che tu intanto ti sei fatto uomo e sapendo di offenderli li vai cercando altrove, vivi e veri. E se trovi questi uomini, si trovano sempre, Meleagro. Thank you.
avoir sauvé la liste pour avouer des choses 10 fois plus importantes et peut-être ne s'en aperçoit-on pas. J'avais si peur. Ils ont accepté la fausse identité. Non. C'est-à-dire pas du début. Ensuite, quelqu'un a déclaré qu'il était Casne. Je ne sais pas qui. Tué. Je ne sais pas. Quei giorni furono i nostri migliori. Un febbraio, col sole che rendeva la neve come un velluto bianco su tutti i dorsi delle colline e col pericolo di disperderci che era finito, con loro che ritornavano invece di continuare ad andarsene, ma con le difficoltà che c'erano ancora, con l'inverno che c'era ancora. C'est la révolution contre l'occupant britannique. Les masses rurales, déshéritées et pauvres, en sont la force principale. Multipliant le sabotage des voies de communication et organisant de très nombreux accrochages avec l'armée d'occupation. Et les objectifs démocratiques révolutionnaires sont liés aux objectifs patriotiques. Les embryons de pouvoir populaire voient le jour. Des révoltes armées éclatent contre les grands propriétaires. Les ouvriers, les chômeurs, les étudiants, les boutiquiers, les fonctionnaires se retrouvent côte à côte tout au long de l'année dans les rues du Caire et de la plupart des autres grandes villes, en des manifestations violentes d'une ampleur. Fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie. N'abolira comme si... Une insinuation simple, au silence enroulé avec ironie, ou le mystère précipité, hurlé, dans quelques proches tourbillons d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher ni fuir, et en berce le vierge indice. Comme si... Plume solitaire perdue, sauf que la rencontre où les fleurs une torque de minuit et immobilise
au velours chiffonné par un esclaffement sombre. Cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel, trop pour ne pas marquer, exiguement, quiconque, prend sa mère de l'écueil, s'en coiffe comme de l'héroïque, irrésistible mais contenu, par sa petite raison virile, en foudre, expiatoire et pubère, muet, rire, que, si, la lucide et seigneuriale aigrette de vertige, au front invisible, scintille, puis ombrage, une stature mignonne ténébreuse debout, en sa torsion de sirène, le temps de souffleter par d'impatientes squames ultimes bifurquées, un roc, faux manoir, tout de suite évaporé en brume, qui imposa une borne à l'infini.